Bonjour à tous et bienvenue. C'est un nouveau rendez-vous de football que je vais avoir le plaisir de vous commenter avec Franck Sauzet qui va me rejoindre. Bonjour Hervé. Un match qui s'annonce plutôt serré, non ? C'est même l'archétype du match nul pour moi. Deux équipes très proches l'une de l'autre, on le sait. Non, je ne ferai pas de pronostic plus précis. Et cette rencontre, elle sera placée sous l'autorité de M. Benoît Taillade. Valbuena qui assure bien sa passe. Lucho González. Oui, très bonne accélération vers les buts. Il voulait prendre l'aile, mais il s'est fait couper l'aile. Il n'y a pas de danger pour la défense. Stéphane aime bien. Bien Giroud. Oh, il le fait tomber en bourrique, regardez ça. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Oh, c'est un truc évident. Pour aller chercher ce ballon à la tête. C'est comme cela, au ras du poteau, c'est très difficile pour le gardien d'aller la chercher. Et ça fait 1-0 pour Tavares Fichard. Là tu dis, Benoît qui part au duel. Siaka Tiene. Il vient en contact. Souleymane Diawara. Loïc Rémy. Benoît Taillade qui va peut-être le sanctionner. Il ne va pas laisser passer cette faute. Non, et il donne un carton jaune au joueur parisien. Je crois qu'il va vraiment falloir le marquer de près aujourd'hui. Ça fait deux buts déjà pour son compte personnel. Et le gardien ne peut pas intervenir, c'est suffisamment au premier poteau. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts à présent. Là tu dis. Bien chanteur. Le homme qui récupère. Al Diarra. L'autre ami. Et ce sont les Marseillais qui récupèrent ce ballon. Oh, ça va rentrer. Le gardien qui repousse. Il va remettre sa volée. Oh, c'est tout dessus, ça a frôlé la barre. Qui part au duel. Allez, il va peut-être pouvoir repiquer au centre avec cette interception. Alors, il faut lever la tête maintenant, trouver un partenaire. Gamero. Il est sur la trajectoire. Bien joué de la part des Marseillais. Oh, quelle occasion! Corner pour l'OM. Le ballon qui file en sortie de but. Mamadou Sakho. Siaka Tiene. Moi tu dis. Jérémy Ménez.
Lusaku. C'est un très bon ballon ça. Oh, c'est parti. Tirte contrée. C'est une touche bien placée pour Marseille. Benoît Chéroux. Hors jeu, c'est net. Luis González, Benoît Chéroux. Oh, belle passe. Ah non, mais ce n'est peut-être pas terminé. C'est le même Diawara qui vient couper la trajectoire. Oh, bien défendu, très bien défendu. Hors jeu avec l'arbitre. Mais de peu, si vous voulez, mon ami. Benoît Chéroux. Et ça donne un bon ballon. Ça n'ira pas court. Bonne interception. Ouais, c'est contré. Qui est venu au contact, le PSG qui obtient un coup franc suite à cette faute. Lucho Gonzalez. C'est donc la fin de cette première période. Alors beaucoup d'enjeux évidemment dans ce match, c'est assez habituel entre ces deux équipes, mais le rapport de force est clairement dans l'équipe de l'équipe. Oui, on a vu une équipe mieux en place que l'autre, plus tranchante, plus appliquée. Elle vient de livrer une grosse première période. Elle reste à savoir si elle pourra conserver ce rythme pendant le reste de la rencontre. Et c'est reparti au stade Vélodrome avec cette seconde période. Matuidi. Christophe Jallet. Chantôme.
Christophe Jallet. Un bon pressing du défenseur. Benoît Chéroux. Luis Gonzalez. Ouais, le jeu était là, bien vu. Oh oui, le centre. Bonne sortie du gardien. Souleymane Diawara. Mathieu Valbuena. Aspilicueta. Ça joue très collectif, c'est magnifique. Lucho Gonzalez. Oh oui, le bon ballon. Et le Parisien récupère. Jérémy Ménez. Admirez la technique. Aloudiara au contact pour récupérer ce ballon. Oh, il est passé. Il est passé, ça va être le but. Il va pas attendre le rebond à la volée. Ce ballon qui ne donnera rien. Il a pris trop extérieur. Et cette sortie de but, il va profiter donc au Paris Saint-Germain, qui va pouvoir se dégager. Benoît Chéroux. Nende. Siaka Tiene. Qui part au duel. Et on chantonne. Gamero. Dans la surface ou en dehors. Louis Guillaume s'est frappé. L'OM qui récupère. Luis Gonzalez. Benoît Chéroux. Morel. Centré, la défense du Gilet qui repousse à la place de trop là peut-être. Oh, passe déterminante peut-être, on n'est pas loin des buts. Benoît Chéroux. Oui, une bonne circulation du ballon. Oui, joli 1-2. Morel. Oh oui, la bonne passe vers les buts. L'attaque qui est stoppée, c'est peut-être pas fini. Mathieu Di. Christophe Jallet. Jérémy Ménez. L'intercepte. Aloudiara au contact pour récupérer ce ballon. Nende. Le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Morel. Le contre qui est parti à 100 à l'heure. Sur cette frappe. Et le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Mais avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Christophe Jallet. Sissoko. Ouais, il est bien placé. Il peut aller au bout. Il ne lui a pas échappé. Encore un bon ballon. Benoît Chéroux. Il donne encore un bon ballon. Un joueur vraiment précieux hein, dans la construction. Et la passe qui a donné une bonne situation de jeu. Les hors-jeux du côté de l'OM. Ben si, justement, hein. Mais regardez, quelqu'un s'en charge pour nous et c'est assez éloquent.
Sissoko. André Ayou. Sissoko. Oh, bonne inspiration sur cette talonnade. Alou Diarra au contact pour récupérer ce ballon. Lucho Gonzalez. Mathieu Valbuena. Et bien joué de la part des Marseillais. Alors, l'OM qui marque, but pour l'OM. Voilà, on n'est plus secondaire, on s'est permis de soigner le stade. Oui, c'est surtout une manière également de se mettre définitivement à la rue, de ne pas s'exposer inutilement. 3-2-0, ils prennent le large. Et on s'entend. Gamero. Loïc Rémy. Oh, il a mis Steve qui est la défense. Oh, le beau tir. Ce qui est encadré. Et il a dévissé. Hein. Oh, quel dommage qu'il n'ait pas soigné sa finition. Car le contre avait été rondement mené. Est-ce qu'il est plus tard? Luis Gonzalez. Il ne va plus avoir qu'à pousser le ballon. Oh, c'est bien parti. Ils avaient l'occasion de tuer le match. Ils ont raté le coche. Benoît Chéroux. Il s'enfonce. Ah, attention, la frappe. Et c'est au fond. Histoire de parachever cette belle victoire. Et histoire aussi de passer les toutes dernières minutes l'esprit tranquille. Eh bien, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, ils ont voulu bien finir le match, alors que la victoire était déjà acquise. 4-0, ce sera le score final de ce match. C'est fini, très belle victoire. On ne savait pas trop à quoi s'attendre avec ce match. Franck, finalement, ça a été une victoire facile. Hein. Mais oui, belle et large victoire, hein, d'autant plus belle qu'elle est acquise contre l'ennemi de toujours. Et un match qui va rester longtemps gravé dans les mémoires des supporters. Enfin, certains s'en rappelleront mieux que d'autres, sûrement. Très heureux de vous avoir fait vivre ce match. Je vous dis à bientôt.